Ok, ça tourne. Bon, en attendant, le début, on va jouer un petit jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Hop, je coupe ça. Dicey Dungeons qui est sorti avant-hier, il me semble très très cool comme jeu. Je vous fais découvrir ça. Alors, bon, vous allez vite comprendre le principe. Hein. Je reviens un petit truc. Alors. Et voilà. Alors, donc bon, le principe c'est qu'on est un petit bonhomme et on a on lance des dés et on a des spells qu'on peut lancer avec, avec les dés. Donc là j'ai 3 spells à ma disposition, j'ai lancé ces 2 dés là à ce tour là. Hop, et ben on va faire ça. Et ça. Voilà. Et là c'est mon adversaire de toi, c'est contre des bots. De YouTube sous les yeux, je vais peut-être les caler quelque part. Hop, donc voilà, le stream ce sera sur Advent of Code. Bon, on en parle après. Yo, Storm Exploit, le réel Slim Shady. Ok, donc là j'ai trouvé un nouveau spell, je vais pouvoir l'ajouter à mon board. Ça c'est cool. Il est là. Donc là j'ai ces 3 trucs équipés. Il y en a qui font 2 de taille aussi. Hop. Et en prenant des dégâts aussi, je gagne des points dans cette jauge là et après ça me déclenche un bonus. Hop, bon, et on va se faire un petit. Un petit moins 6, c'est cool. Ok. Hop. Petit level up. Je peux peut-être les mettre sur mon tel, c'est bon. Super. Bon. Ah, ceux-là ils sont ultra violents, là, les petits Sneezy. Eux, leur MOOC, c'est quoi? Ah ouais, ils tirent que des 1. Mais ils peuvent bien éclater la gueule. Ça roule, Storm Exploit. Bon, il n'y a que nous deux, je pense, pour l'instant, mais
je vise pas une audience de 10 millions de personnes non plus. Hein. Alors. Là, je vais essayer de me faire un pour lui. Je vais en avoir deux. Et ensuite. C'était peut-être pas le plus malin. Ok, allez, ça ira comme ça. Oh putain. Donc là, il split son 6 en plein de petits. Alors, yes. Bon, allez, ça ira. Alors. Donc là, j'ai aussi mon pouvoir spécial. Oh, c'est beau ça, c'est beau. Et boum, le combo. Easy. Je vais devenir streamer gaming si ça continue. Ouais, le pitch shooter il est un peu nul. Donc là ouais, ce que j'ai avec mon personnage, c'est le slot de droite, là je l'emprunte à. Je le vole à l'ennemi en fait. C'est ce move là. Alors. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire comme ça. Allez, ça ira comme ça. Pas si mal. Hop, je vais tout mettre là-dedans, ça va nous mettre du poison. Le poison c'est un peu OP. Genre là je vais me faire 4 après. Ah bah non, vu qu'elle est immune. Allez, le poison ça va la finir normalement. Ok. Le level up ça me rend tous mes points de vie aussi, c'est pour ça qu'on s'en fout un peu à la fin du niveau. Alors. Ça. Allez, on va prendre le poison. Alors, que donne le shop? Alors, réduire un dégât de chaque attaque. Oh, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Le bandage, ça c'est un peu naze. Celui-là est sympa aussi, mais c'est un gros truc qui prend deux slots dans l'inventaire sur les 6. Du coup, on va peut-être acheter lui. Hop, allez, on est full stuff. Baby Squid, à nous deux. Vous me dites d'ailleurs hein, dans les commentaires si ça vous saoule, on peut passer direct au stream. Enfin au stream au live coding. Alors. Hop, on va splitter lui.
Hop, je vais mettre comme ça. Ok, donc on va infliger 2 gratos. Ouh, et avec le Hanlo qui roll. Démonter de poison. Voilà. Et blind un CD. Easy. Si le jeu vous intéresse, ça s'appelle Dicey Dungeons. Un petit jeu indépendant. Très très cool. Petite découverte. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon là il m'a blind un dé donc je peux pas voir sa valeur. Et bah on va tenter... Voilà, c'était 3, c'était pour 3. Ça lui a fait 3 HP de dégâts. Alors on va splitter celui-là. Et puis on va blinder le poison, hein. Je crois qu'il est pas résistant. Yes. Ça va, on m'entend bien d'ailleurs, le son est pas trop fort. Hop, manger les pommes. Allez, c'est pas un magicien. Ça, je peux aller sur l'enclume après. Alors, ouh, ça c'est cool. Hop, ça me donne plus un dé pour tous les prochains tours. Allez, on finit le fight et puis on va commencer. Alors, un petit face spell déjà, ça fait pour plaisir. Je suis qu'on s'en fout. Merde, c'est quoi l'armure déjà? Ouais. Ah oui, c'est ça. Bon, ça va. Hop, on va brûler le poison. Splitter lui. Ok, 1, 2 et 4, 5. Allez. Dégâts de poison. Allez. Là, il a 5 stacks, 6 stacks de poison. Super de la vie, à vitesse grand V. Allez, ça part. Je sais pas si je peux save. YOLO. Ok. Bon, et ben on va commencer. Je sais pas si vous voyez bien, si vous entendez bien. Normalement, tout va bien. Le setup est fait.
Alors, donc on va partir sur Advent of Code. Donc c'est un petit site de challenge. Donc je vais vous montrer par exemple la première. Donc il y a un petit énoncé à chaque fois, bon, qui est un peu fatos, avec un input à chaque fois. Hop. Il nous donne un input comme ça, bon, on verra ce que c'est dans l'énoncé. Il faut coder un truc qui trouve la solution et il y a une seule réponse à donner donc, dans ce petit champ-là. Donc j'ai fait suite 2018 qui était très très cool. Voilà, je l'ai tout fini. Donc à chaque jour de Noël, enfin chaque jour du mois de décembre, on débloque un nouveau truc. Et donc là c'est les archives. C'est les archives, donc ils sont tous déverrouillés déjà. Bon, le premier énoncé il est un peu long, mais en vrai ça, les suivants ils sont, j'espère, plus courts. Ouais, ça va. Ok, et donc bah, si vous êtes chaud, vous pouvez les faire en live en même temps, ou je sais pas. Donc je vais coder en Python. Et voilà, enfin, je pense que c'est à peu près tout, on va pouvoir commencer. Donc ouais, je fais ça en Python 3, donc m'en veuillez pas. Bref, j'ai migré à Python 3 il y a pas longtemps, longtemps, donc j'ai encore un peu le mauvais réflexe de pas mettre de parenthèses au print et des petits trucs comme ça. Voilà, mais c'est ma rédemption parce que j'étais sur Python 2 pendant beaucoup trop longtemps. Alors on va commencer le day one. Donc en gros, bon, l'histoire c'est à chaque fois il y a eu un truc qui casse les couilles à Noël et du coup il faut le réparer petit à petit avec des petites étoiles. Et donc à chaque fois, chaque jour, il y a un input, une solution à trouver donc en programmant en général. Et il y a une deuxième étape au challenge, donc pour gagner une deuxième étoile, où c'est en général un peu plus compliqué de le choper, où c'est une petite variante de l'énoncé. Alors, bon, j'espère que vous parlez anglais et que vous voyez bien, parce que, hop, je vais zoomer un peu peut-être. Ok, on voit bien. Printer is broken. Dricolu, le live sera-t-il à l'heure? Bah, c'est une bonne question. Oui, je pense, il est 15h33, on a commencé, on est presque on time. Alors, day one, inverse capture. Ok, donc, by the time. Bon, je vais pas vous le traduire. Si vous voulez que je le traduise en direct, vous pouvez me mettre un petit message, mais sinon j'ai un peu la flemme. Alors, il y a presque 50 bugs dans ce système. Ah, bah, ça va être ça, les étoiles, je pense. Ça va être réparer tous les bugs. Ouais, ok. Bon, ça c'est juste le lore du coup, l'histoire, système clock. Ah oui, d'accord. C'est pas le calendrier de l'Avent 25 jours avant Noël, c'est 25 millisecondes avant Noël apparemment. Nice. Ouais, c'est ça. Ok, bon alors tout ça on s'en fout, c'est juste de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire. Solving a captcha. Ça c'est juste le lien Wikipédia. To prove that you're not a human. Ok, on a une seule milliseconde pour résoudre le captcha. Super. Ok, donc il faut trouver la somme des digits. Attends, quoi? 1, 1, 2, 2. Ah, ok. Ok. Bon, alors en gros, ouais, c'est ça. Il faut faire la somme des digits si et on compte seulement les digits qui ont dont le voisin est dont le voisin fait partie de, enfin, est le même digit. Ok, et bah ça part. Hop, donc là il nous donne le petit truc, l'énoncé. Alors je vais le faire. Hop, je vais splitter ma fenêtre en deux, je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est ça. Donc je mets l'interpréteur à droite. Ce PC, hop, on va mettre dans quoi? Hop, nouveau dossier. Ouais, c'est un ordi assez récent, donc j'ai pas grand-chose.
Hop. T1, 1. Ok. Bon, alors moi je colle tout là comme un gros crado. Et donc là, ils nous disent que la liste est circulaire. Donc le premier 8, il va matcher avec le dernier 8. Donc ce que je vais faire, c'est juste, je vais rajouter un 8 là. Pour pas s'emmerder avec cette histoire de circulaire, je vais juste remettre le premier digit à la toute fin. Et comme ça, j'aurai pas à refaire le truc qui va checker avec le premier. Juste, on va continuer comme ça. Hop! Et donc là, on va faire. Est-ce qu'on peut le faire en un coup? Oui, hein. Alors, tac, tac. S2. S2i égale S2i plus 1 S0 hop bon je le fais un peu en mode crade mais ça peut être plus rigolo de le faire en one-liner S moins 1 parce que sinon on l'a dépassé. Hop. Et bah je suppose que ça va être à peu près ça, 1097. Bah YOLO, hein. Ça a l'air d'être beaucoup plus simple de gérer un live avec un seul écran. Oui, c'est clairement le cas. Ça m'a pris 4 secondes à setup. Oh, ok, c'était bon. Bon, c'était la bonne réponse. Je vous l'explique vite fait parce que là je me rends compte que je code sans rien expliquer du tout. Bon alors en gros ce que je génère là c'est une liste d'entiers. Et à chaque fois donc par exemple là j'ai je parcours tous les. Je sais pas si vous voyez bien, je peux peut-être zoomer encore un peu. Bon bref. Je parcours tous les digits de cette string et si c'est le même que le suivant, alors je mets sa valeur dans la liste. Sinon, donc là par exemple pour celui-là, je mettrais un 7 dans la liste. Et sinon pour lui par exemple, le suivant c'est un 1. Donc je mets 0. Et donc ensuite je fais la somme de tout ça. Donc c'est soit le digit, soit 0. Bon, ça aurait pu se faire aussi avec un filter, mais c'était un peu plus chiant. Là j'avais direct la variable itérateur sous la main. Hop, et donc là maintenant, on peut faire la partie 2. Et donc la partie 2, c'est sur le même input. Oh putain. Ok. Et donc du coup, là, ça va être la même, sauf qu'au lieu de checker le digit suivant, on va checker celui qui est en face. Donc qui est à plus, je sais pas combien, la position, je sais pas combien. Alors, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bon alors là, mon approche là-dessus, ça va être que je vais parcourir seulement la première moitié de la liste. Parce qu'en fait, la deuxième moitié, elle sera. Enfin, le check, il sera redondant. Et si j'ai un digit qui match, là par exemple le 2 qui va matcher celui-là, et ben je vais l'ajouter deux fois. Je vais l'ajouter en double. Hop, donc là. Day 1, 2. Ah ouais, t'as raison, Dricolu, c'est tout à fait possible que donc si je mets pas le L0, ça l'ajoute juste pas à ma liste. Ouais, faudrait que je révise un peu les compréhensions en Python. Alors, du coup, hop, on va virer ce petit bout en train. Hop, i plus len de s. Sur 2. J'ai bien pensé à mettre le double divisé du Python 3. Hop, donc, et là on va mettre un 2 fois. Est-ce que c'est juste ça qu'il me faut? Donc là je l'ajoute en double si il match celui à l'autre bout. Et sinon, bon, on va tenter sans le L0 du coup. Hop, je vais du coup virer ces parenthèses là. Et là, on va faire. Hop.
On parcourt que la moitié. Yes. Ok, j'aurais peut-être pas dû virer ces parenthèses du coup. Putain. Wesh. J'ai activé le caps lock ou pas? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas bon ça? Attends. Et si je travaille normalement aussi. Alors, cette parenthèse-là, elle finit là. Ok, ça commence déjà très bien. Je suis complètement rôti. Et bah du coup, hein. Voilà, hein, le L0 dans ton cul, Dricolien. Alors, est-ce que ça marche ça? Yes. Ok, bon, et bah, day one is ok. Day two. Bon, ça c'est encore. Calcule la checksum. Ok. Pour chaque ligne, il faut calculer la diff entre la plus grande valeur et la plus petite. Et additionner toutes celles-là. Ok, bon, ça m'a l'air assez straightforward. C'est splitté avec quoi ça détend? Ouais. Hop. On va virer du coup le day 1, day 2. Bon. Donc là, je l'ai en brut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la parser. Donc, hop. Ok. On va voir, hop, si ça c'est bon, 5048, 177, ok c'est bon. Et alors là, ce que je vois venir, donc là on le fait par ligne. On doit le faire par ligne et calculer la diff. Et ce que je pense qu'ils vont nous faire faire sur la journée 2, ça va être par colonne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nombre de lignes. Hop, on va un peu préparer le terrain. Vu que je vois que elles ont toutes le même nombre de colonnes, toutes les lignes. Et là, hop. Allez. Est-ce que ça marche? Ça, je crois que je peux. Hop, vous allez comprendre ce que je vais faire. Et là, on va faire max égale max 2 et 2 NC. Et pareil pour le mini. Pourquoi je mets des virgules à mes index? Alors, hop, et mini. C'est ça, il me semble que si on met un non. Fuck. Ça marche pas du tout.
Ah, il n'arrive pas à les comparer. Bon, et bah, le maxi, on va lui mettre sa valeur moins 1. Et le mini, on va lui mettre. C'est ça, ils sont tous entre 0 et 10 000, ça va le faire. Et ensuite, résultat max moins min. Hop. Et on va prendre Thérèse. C'est vrai, les... ouais, c'est ça, il faut faire. Alors, la vraie syntaxe, du coup, j'ai un commentaire de Décolu. On va le reprendre viteuf, là, celui-là. En gros, la vraie syntaxe pour la compréhension, là, on peut virer le else, mais il faut rajouter le if, il se met après. Ouais, hop, et là, du coup, ça marche 1188, ouais, c'est ça. Voilà, voilà, merci bien. Ok, et là, bah, du coup, est-ce que ça part? Oh, j'ai fait encore une erreur à la con, yes. Oui, bah oui, parce que j'ai mis NL et NC au lieu de LC. Oui. Hop. Là, j'ai oublié de les convertir en int. Ok, on va mapper int là-dessus. Voilà. Là, ce que j'avais fait, c'est que c'était encore des strings. Ceux-là, je les ai tous convertis. Espérons que ça marche. Easy. Et la partie 2. Ah bah non, je m'étais planté. Alors... Ok, donc là il faut trouver. Il faut en trouver un qui est le diviseur de l'autre. Hop. Et là on fait quoi? 8 divisé par 2. Ok. Bon, alors, je vais réécrire. Alors, I1. Hop, vous remarquerez que j'ai un style de fou de coding extrêmement professionnel. Pas du tout. Voilà, bon, les nommages de variables, vous fiez pas à moi pour les faire parce que... parce que c'est de la prog rapide. Voilà. Alors, inRange de NC, du coup. Hop. I2, inRange de I1. Donc là, on va itérer toutes les paires d'itérateurs. Ensuite, A, B, L, I1. Si donc B est un diviseur de A, alors résult plus égal A divisé par B. Non, un double divisé. Hop, et alors là, vu que je prends que les paires distinctes, il faut aussi que je vérifie pour BA. J'aurais pu faire sinon tout l'itérateur, là celui-là, le faire itérer sur toutes les colonnes, mais le truc c'est que j'ai pas envie de m'emmerder avec la fois où I1 égale I2 et mettre en continu et tout. Du coup, on va juste faire ça comme ça. Ok, parfait, ça ne marche pas. Ok.
Parce que là, elle, c'est une. C'était pas identifiant de ma ligne, c'est la ligne en elle-même. 308. Hop, je me remets 3 secondes. Attends. Hop, je vais mettre le jour 3 et puis en côte à côte. Je vais mettre le code. Si jamais vous voulez le regarder. Regarde. Voilà. Chaque carré de la grille est alloué dans un. Ah oui, d'accord, donc ça fait 1, 2, 3. Oh, ok. Ah, c'est marrant ça. Ok, donc là, ce qu'il faut faire, c'est donc on fait ce pattern-là, là, on le prolonge jusqu'à avoir 347 991, la case qui a ça dedans, et on regarde sa distance par rapport à cette case-là. Donc typiquement, là, le 13, il y a une distance de 1, 2, 3, 4 par rapport au 1. Ok, et bah c'est rigolo. Ah, il nous donne même un petit exemple sympa là pour pouvoir vérifier. Hop. 3. Hop. OK, alors ça va être quoi mon approche là-dessus? Alors, vu qu'on est que à 340 000, je vais pouvoir stocker toutes les positions en mémoire à l'arrache totale. Ok. Alors, du coup, hop, on va faire ça vraiment très moche. X, Y égale 0, 0. Donc là, on va commencer à 0, 0. Soit on prolonge le pattern, soit on calcule son emplacement. Ouais, mais j'ai un peu la flemme de calculer son emplacement. Peut-être que la partie 2 nous le fera faire. Mais en vrai, la 347 000 en complexité, on est large, ça va prendre 3 millisecondes à calculer. Alors, hop. Et donc là, ce qu'on va faire, le pattern, c'est 1 à droite, 1 en haut, 2 à gauche, 2 en bas, 3 à droite, 3 en haut, 4 à gauche, 4 en bas. Ok. Donc là, ouais, bon alors, hop, delta x plus égale 1, non, x plus égale delta, attends, c'est ça, hein, 1 à droite, 1 en haut, ouais, ok. Donc là, on va le factoriser comme ça. En fait, on fait 1, 1, puis 2, 2, puis 3, 3, puis 4, 4. Hop. Et là, on va faire des moins. Donc là, on va calculer que les positions au coin, en fait. Et après, pour se ramener sur les vraies positions, bon, ça va être un peu casse-couille. Ouais, en même temps. En même temps. Là, on va mettre un petit. Hop. Index, on commence à 1 du coup.
Bon, alors ce que je vais faire, je vais afficher la position d'un coin qui est pas trop loin et après on le calculera à la main. Hop, c'est ça. Hein. Donc mon M inférieur à 1000. Bon, c'est un peu crado, hein. Je pense qu'il y a meilleur à faire. Si j'avais pas été en mode en flux tendu, j'aurais peut-être réfléchi un peu plus longtemps que ça, parce que là ça m'a l'air d'être un peu une idée à la con, mais bon, c'est la vie. Et ensuite, tac tac tac. Ok, voilà, on va breaker. On break si on a trop dépassé. Hop, ok. Ok, donc là on est à moins 295, moins 295. Ah oui, non, faut que j'affiche le delta aussi. Ok, on a un delta de 591. J'ai un peu peur en fait de ce que ça va être la partie 2, parce que ça se trouve, on est. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de. Bon, allez. Vous êtes en train de le faire depuis chez vous d'ailleurs ou pas? Histoire de pouvoir m'humilier un peu. Alors, donc là, hop, plus 591, ça donne quoi ça? Ok. Donc là, on est. Oh non, on est large au-dessus. 348, 691. 300. Oh merde, j'ai dépassé. J'ai dépassé. Non. Hop, alors on va prendre 346, 333 avec un delta de 294. Donc là on est à. T'as un rapport avec là? C'est un rapport de quoi de stage? 346, 627. Hop, on va encore ajouter 294 fois 2. 146, 921, ok. Et ben on va encore rajouter 295. 347, 216. Attends, mais je suis paumé là. Ah oh, non, je suis con, c'est pas ça le delta. Le delta, c'est pas 294. Pourquoi vous m'avez pas dit? Alors, on est au 336, 333 plus 589, c'est ça le delta. Ton mémoire, eh ben putain, moi mon mémoire je l'ai écrit pendant mon stage, sur les heures de stage, je m'en suis porté que mieux. 346, 922, ok, et ben, on va remettre un petit 589. Et. Oh punaise, mais c'est si laborieux! 348, 101. Ok, donc là on dépasse. Je vais les remettre là en fait, mes petits checks. Yes, en plus je l'avais pas du tout mis au bon endroit, c'est cool. Il y a un challenge sur le Advent of Code où il y a un leaderboard après. Je vais vous montrer. Hop. Et
Et en gros, c'est, je crois que tu gagnes, si t'es premier de la journée, tu gagnes 100 points, si t'es deuxième, tu gagnes 99 points, etc. Et donc il y a des mecs qui se lèvent tous les matins. Si mon parent, c'est un Français, il est tout le temps dans le top tous les ans. Je crois que l'an dernier, on avait aussi, on avait quelques Français, on avait Jérémy Bouin aussi. Big up à Gibouin. Mais bon, vu que c'est un truc qui est à l'heure américaine, il faut se lever à genre 6h du mat pour les faire. Et clairement, j'ai pas la motive. Est-ce que. Ouais, je suis sûr que c'est en train de faire nimp ça, mais bon, c'est pas grave. Et niveau opinion déjà, 347, 991. Ok. Donc c'est celui-là. Allez, on y est presque. Donc là, il a fait 480 vers le bas. Merde, il était où? 327, 500. Ok, donc là, il était à 295, 295, mais il allait vers les X négatifs. Du coup. Allez. Putain, et si c'est pas ça, par contre, je me bute. Hein. 480. Ok, c'est bon. Oh là là. Terrible. Alors, la partie 2. Quoi? Oh putain, quel enfer. Quel enfer. Ok. Bon, ben c'est parti. Alors, je vais complètement dégager toute cette connerie. Hop. Donc là, l'histoire, c'est que au lieu de mettre 1, 2, 3, 4, 5, machin, on met en le construisant, on met la somme de ses voisins, si je comprends bien. Donc lui, il touche. Pourquoi il touche sur en diagonale? Il touche en diagonale aussi? Ouais, ok. Le 4, bah, il a 2 plus 1 plus 1. Le 5, il a 4 plus 1. 5, 4 et 1, ça fait 10. 11, 23. Ok. Oh putain. Ok. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un. La grille. Alors, suivez-moi sur ce point-là. On va faire un petit default dict. Hop, donc je sais pas si vous connaissez ce petit truc. T'as pas compris l'énoncé. L'énoncé de. Du dernier là, bah, alors c'est pareil, sauf qu'il faut trouver la première valeur. Donc là, en gros, on le construit comme avant, là, en mode spirale. Sauf que, donc c'est la partie 2 du jour 3. On le construit en spirale comme avant. Sauf que la valeur qui est écrite, au lieu d'être 1, 2, 3, 4, 5, machin, ça va être la somme de ses voisins. Donc là, typiquement, celui-là, quand on le crée, bah, il n'y a que 1, 1 et 2 qui sont déjà créés, genre le 133 et tout, ils sont construits qu'après, donc on ne les compte pas. Et donc là, vu que lui, il n'a que 3, il a 3 voisins, on fait la somme de tous ses voisins. Le 5, c'est pareil, il a genre, que le 4 et 1 en voisin. Le 10, c'est 3 voisins, c'est 5, 4 et 1 qui ont déjà été construits dans cette spirale, etc. Et ensuite, il faut qu'on trouve la première valeur qui est plus grosse que notre input. Donc, ce qu'on va faire, là je vais faire en gros, je vais stocker dans un dictionnaire en gros, par exemple, ce qu'on va faire, hop, je vais le faire là, dans un tuple,
sais pas si on le voit bien, le rouge comme ça. Hop. Donc là, typiquement, on va faire un truc comme ça où on va mettre en face de 0, 0, donc en face de la coordonnée, on va mettre le truc. La raison pour laquelle je fais pas une liste de listes, c'est que déjà le dictionnaire, si je stocke comme ça, j'ai l'accès à ces coordonnées pareil en temps O de 1 comme une liste. Sauf que déjà, je peux faire des coordonnées qui sont négatives et aussi j'ai un petit trick qui va être que. Même si je vais checker en out of bound sur des carrés qui n'ont pas encore été remplis, donc là avec celui-là, hop, je vais vous montrer. Là par exemple, si je query le grid de 100, hop, 200, qui est un truc qui n'existe pas, dans un dictionnaire classique, ça m'aurait fait une erreur. Parce que, non, c'est pas comme ça. Là. Vu qu'on fait des tuples, hop, voilà, comme ça. Dans un dico classique, on aurait eu un key error là-dessus, mais là c'est un default dict et donc en fait ça va par défaut mettre la valeur que je lui donne là. Donc bon, là c'est le constructeur dint, donc ça va donner 0. Et donc, en vrai, on peut faire aussi lambda 3 par exemple, et du coup la valeur par défaut, hop, ça va être 3 par exemple. Et on peut bien sûr faire un petit. Donc là, on va faire un grid. Grid, il connaît que celui-là parce que du coup, je l'ai query, donc ça l'a créé. Mais je peux aussi. Hop. Je peux. Enfin, ça se comporte comme un dictionnaire, quoi, autrement. C'est que si on fait l'appel. Hop. Voilà. Donc on va revenir à 0. Et ben là on va le construire, hein. Je pense qu'il va être construit assez vite, en plus vu les valeurs, comment elles pètent assez haut, assez vite. Ok. Et ben ce qu'on va faire là, hop, on va reprendre x, y, y, 0, 0. En fait je vais refaire quasi la même chose qu'avant. Voire même je vais refaire exactement la même chose qu'avant en fait. Et là, le truc, c'est que. Ah oui, il faut que je réimporte mon n aussi. Et à la fin de chaque tour, on va regarder toutes les keys de grid. Ouais, c'est bon ça. On va regarder toutes les keys de grid et on regarde s'il y en a une qui est plus petite que. Qui est plus grande que n, pardon. Et si oui, on imprime la plus petite. Alors, while true. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Hop. Non, j'avais mis un interpréteur de ce côté. Ah, quoique, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc. Comment on va faire ça? Ouais. X plus égale. X plus égale 1, et ensuite là il faut qu'on trouve un moyen de peupler. Donc là, hop, alors je vais faire un truc qui se copie-colle bien. Oh, mais c'est toujours pas ça. Et donc là, il faut que je trouve une expression qui calcule la somme de tous ses voisins. Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit hop x plus dx y plus dy for non, voilà, comme ça for dx in range 2. Donc là, on va parcourir tout le. Ah bah voilà, c'est exactement comme ça qu'on va faire. For ty in range 2. Hop, on va déjà voir à quoi ça ressemble ça.
Ça va planter. Oh non. Oh putain. Ah si, c'est bon. Il est allé tous les query, mais. Ouais, j'ai oublié d'initialiser la grille. Alors qu'est-ce que ça donne là? En 0,0 on a 1 et en 1,0 on a 1. Et ben ça m'a l'air pas mal tout ça. Ben, maintenant on va répéter l'opération. Ok, et donc là on fait un y plus égal à maintenant. Ensuite un x moins égal. Et ensuite un y moins égal. Ok, donc là on a parcouru toute la spirale. Et on a checké s'il y a une valeur plus grande que n dans nos keys. Hop, x supérieur ou égal à n, virgule, grid, point, qui, non, point values, pardon. Hop, donc là on regarde juste dans toutes les valeurs, la plus petite. Ah non, c'est la première, c'est, ça va peut-être pas être bon parce que, est-ce que c'est forcément croissant cette merde? Bon allez, on va postuler que toutes les valeurs elles sont croissantes et que la première, première écrite ce sera aussi la plus petite. C'est bon, j'ai mis le bon nombre de parenthèses. Hop, print 13. Non. If fraise. Print 13, 2, 0. Et on break. Ok, bah voilà. La malédiction du Python. 543 776 500. Oh putain. Bon bah espérons hein. Espérons, espérons. Putain, bon c'est pas ça. Alors. Hop. Et bah là, on va faire un petit if gré de x. Hop, voilà, on va faire ça un peu à la dégueu. Je trouve que je me suis planté quelque part aussi. Hein. Mais bon, là au moins, on l'aura direct. On n'a pas à s'emmerder avec ce filtre. Oh non. J'ai oublié les parenthèses. Putain. Ok. Bon alors c'est pas ça. Et ben on va essayer d'aller jusqu'à genre 147 là. Et voir si ça me donne 147 déjà. Non, 142 du coup. Ok, bon, c'est cool. On va vite pouvoir trouver l'erreur du coup. Alors. Grid 00. On va le débugger comme ça. Alors. Grid 01. Ouais, déjà ça c'est bizarre ça. Qu'est-ce que j'ai foutu?
Ah, je sais. J'ai oublié de faire un delta là. Hop. 142, parfait. Ouais, parce que là, on n'écrivait pas du tout une spirale. Là. Il repassait sur ses pieds. Merde, non, c'est pas ça. C'est 347, 931. Oh, mais merde, je suis pas au bon endroit. Ouais, je me disais aussi que ça avait pris un. Ouais, ben voilà, ça m'a l'air plus. Yes. Ok. C'est forcément croissant puisque la valeur au rang n est la somme de la valeur n-1 et d'autres valeurs. Ouais, mais le truc, c'est que moi je me disais, tu vois, celui qui est genre dans le coin, il a que deux voisins. Genre celui-là, il a que deux voisins, alors que le précédent, bah non, le précédent, il en avait deux aussi. Non, le précédent, il en avait trois. Du coup, bon. Ça doit peut-être pouvoir se prouver, mais c'est pas trivial, quoi. Parce que, genre, celui-là, le 142, quand on le crée, il a 3 voisins. Allez, on va le vérifier. Alors, hop. On va faire une petite variable best. Enfin, je vais juste le faire tourner sur genre beaucoup et puis on va voir si ça se vérifie comme ça. Hein. Best. Yeah. Merde. J'en ai pris une de trop. C'est parti. Ouais, il m'a l'air d'être croissant. Bon, c'est rassurant. Ouais, il était pas allé super loin, mais ok. Bon, day 4. Alors, ok, bon, en gros, une passphrase, c'est ouais, une liste de mots où il n'y a pas de mots qui se répètent. Et il faut dire le nombre de passphrases distincts, c'est ça? Ouais. Ok, bah ça va aller assez vite. Alors, hop. Enfin, ça va certainement aller plus vite que le jour 3. Alors. Hop. Et j'ai du mal avec mes touches, moi, aujourd'hui. 386. Bon, je vous l'explique après si ça marche. Ok, c'est bon. Alors. Bon, bah, c'est allé assez vite. En gros, là, ce que je fais, je vérifie juste sur chaque ligne si le 7 de la ligne, il est égal à la ligne. En gros, bah, le 7 en Python, ça vire les duplis. Typiquement, si je fais hop, oui, bah oui, c'est bien ça. Hop, si je fais un set de 1, 2, 3, 4, 5, 3 par exemple, et bah ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me les garder. Donc, pas forcément dans l'ordre. Le set, ça conserve pas forcément l'ordre. Et ça garde qu'une seule fois en fait la valeur. Donc, du coup, là, si j'ai un truc qui apparaît en double, je sais pas si je peux en trouver une facilement là.
Mais en gros, bah attends, hop. Si je prends celle-là. Donc là, notre liste, ça va être ça. Si je prends le 7 de L, ça va être ça. Donc en fait, il n'a que 4 valeurs là-dedans. Vu qu'il a viré le dupli du A. Donc ça veut dire en fait que si la valeur, si la taille de notre set, c'est pas la même que la taille de la liste originale, et bah il y a un doublon, donc on le vire. Et sinon, si c'est la même longueur, alors on l'ajoute. Ok, partie 2. Alors attends. Ok, no two words that are anagrams of each other. Ok, et ben on va faire un petit sort parce que la strat pour trouver si des anagrammes, si des mots sont anagrammes, c'est de faire un sort. Du coup, hop, on va faire un petit list map de sort, sorted. Ouais. Attends, est-ce que ça va marcher? Je crois qu'il va voir. Ouais, je pense qu'il va pas aimer ça. Voilà, parce qu'il n'arrive pas à mettre, à faire une liste de, un set de listes, vu que ça marche avec du hashing derrière. Du coup, on va faire un petit truc, x, 2 points, on va le transformer en tuple avant. Hop, voilà, 208, easy. Bon, le 4, il était cool. On va voir maintenant. Ah, c'est marrant, ça fait un petit circuit, mais il se découvre pas en entier tout de suite. The change in threads arrange from the CPU. Ok. Ok. Bon, en gros, là, on a une liste de jumps et c'est des jumps qui sont relatifs. Possible jumps forward, move downward. Ok. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, si on fait ça en jump 0, et celui-là, son offset il change à 1. Donc, ensuite, on a 1, 3. Ensuite, 1, 2, 3. Moins 3 et 4, c'est ça? Moins 3 et 4. Et on sort. Ok. Et donc, il faut dire combien de steps avant d'attendre l'arrivée. Ok. Bah, ça va pas être très compliqué. Hop, 5, 1, et on commence à 0, hein. Bon, on verra. Hop, bon, je vais tout foutre dans une liste. Ensuite, hop, post égale 0. Donc là, on va vérifier cette position. On va vérifier que la position est toujours à chaque tour de boucle en dessous, enfin dans le tableau, et ensuite et bon, on va faire un petit post plus égal
LS de poste et LS. Hop, bon, c'est un peu crado, mais bon. Ah, quoique, non, on va faire un truc plus joli. Vu que les deux valeurs elles changent en même temps. Ok. Et on incrémente le i et ensuite. Je vais juste faire un petit test avec les valeurs de l'exemple. 0, 3, 0, 1, moins 3. Hop. Wesh. Ah, il y a un gars. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Pourquoi il y a un outer range là? Parce que POS, on a bien vérifié qu'il était compris entre 0 et. Ouais, on peut le mettre à L. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, déjà, on va voir. Ouais, d'accord. J'ai dû oublier d'enlever une exit condition quelque part. Si quelqu'un voit la connerie, ouais, bah ça se trouve, il fait pas les deux d'un coup. Bon, je trouve ça bizarre, mais bon. Hop. Allez, on va le refaire à la dégueu. Voilà. On incrémente avant et du coup, bon, on prend en compte qu'on a déjà fait l'incrément. Sinon, il faudrait stocker la position précédente et tout. Et ça m'emmerde un peu. Ok, 5. Et c'est ça, c'est bien 5. Ok. Bon, on dirait sprint. On va virer cette LS. Ok, partie 2. Si l'offset était de 3 ou plus, on le décrisse de 1. Ok. Ouah, ça va être relou ça. Je sens que ça va prendre vachement plus de temps non, à calculer. Oh, quoique. C'est après ou avant le saut? Après chaque saut. Ouais, ce qui est normal en fait. C'est ce qu'on faisait tout à l'heure. Hop, on va calculer le delta à part. Alors, on augmente de 1 si on était 3 ou plus. Ok. Et donc. Non, non, non. On augmente si on était à moins de 3.
Ok, il est un peu plus long à calculer. Ce qui m'étonne pas trop. Mais je me demande s'il n'y a pas une détection de cycle ou quoi. Ah non, c'est bon. J'ai eu un peu peur. Ok, c'est bon. Alright. Bon, bah stylé. 10 petites étoiles. Bon, ça fait 1 heure qu'on a commencé. Je sais pas si vous voulez passer à autre chose. Si vous voulez. Je sais pas. De toute façon, vous êtes à peu près que deux à me regarder. Donc. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Ah, je vais virer ça d'ailleurs. Ok, bon, moi je vais me chercher un petit verre d'eau. J'attends vos. Ok, c'est reparti. Alors, quelle est la réflexion algorithmique sans les facilités du langage de prog à avoir face à tel ou tel problème? Ah ouais, c'est bonne question. Bah ça s'apprend hein, déjà en s'entraînant. En faisant de la compète, il y a des motifs que tu repères et tu te dis là ça va être de la programmation dynamique ou là il va falloir utiliser telle ou telle structure de données. C'est un peu du. Je sais pas, moi je le fais un peu au feeling. Après, il y a des bouquins, hein. Typiquement, il y a le. Attends, oh, bah, je l'ai là justement. Celui-là, là. C'est. Attends, je sais pas si on voit. Hop, je te mets en grand. Zoup. Le Skiena. Oh putain, c'est. Cette webcam est complètement pourrave. Hop. Ce bouquin-là, là, c'est. Ah bah c'est bien ça. C'est une tuerie pour apprendre la méthodo en gros et les. Comment concevoir des algos quoi. Hop. Voilà, on va repartir comme ça. Vous avez même les coulisses, vu que j'ai pas un deuxième ordi pour faire en stream. On pourrait prendre par exemple des challenges de code équivalents au niveau moyen qui sont intéressants. Je suis chaud. Mais quoique les coding games, je crois que j'en ai déjà fait un bon paquet. Déjà, faudrait que je retrouve mes identifiants. Oh yes, c'était avec Google. Ouais, bon, ça se voit que ça fait longtemps que je suis pas allé dessus. J'ai encore un vieux logo. Comment ouvrir ça? Voilà. J'ai encore un vieux logo sur mon profil. Oh putain, j'ai le pire rating. Allez, ça se fait. Mais ouais, on peut. Bah, ouais, je vais essayer de plus. Parler de mon design. On avait commandé un tableau blanc pour que je puisse faire des petits dessins, mais il n'est pas arrivé. Donc
On l'aura peut-être si on fait un prochain stream. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, putain, mais c'est ça, c'est les Clash of Code là, on perd les points de classement. Avant, j'étais trop bien classé. 501ème quoi, en 2016. Quand j'étais encore un tout petit. Ah, Néo! Ah, je suis chaud. Je l'ai validé ou pas? Ah, on dirait. Merde! Ouais, il était un peu. Bon, ben on va regarder peut-être les exos qu'il y a. Hein. Bon, après, c'est un peu du spoil, mais bon. Bah, allez, tiens. Puzzle classique moyen. Cause cancel théorème. C'est quoi ces trucs là? Je ne connaissais pas ça. Ils ont rajouté plein de petits. Allez, on va faire le puzzle de la semaine. Il est niveau moyen. Alors, pourquoi il est en anglais d'ailleurs? Bon, il a peut-être été écrit qu'en anglais. Épée par personne, ok. Chacun des amis a un budget limité. Ils n'accepteront pas d'argent des autres. Tout le monde doit payer le même prix, pas forcément en entier. Oh putain, il est pas facile. Ouais, et puis j'ai pas de papier crayon. Donc il faut maximiser le joy. Ok. Et chaque personne a un budget qui est limité. Alors là, déjà, ce que je ferais. Bon, j'ai pas de papier crayon, donc ça, c'est la base. J'ai le même problème avec les Clash of Code. Ouais, c'est de l'arnaque ça. Clash of Code, avant j'étais top 10 easy. C'est un peu ma spécialité ça, les petits exos en quick and dirty, mais là, bof, ouais. Puis depuis que. Je crois qu'avant les entraînements, ça comptait dans je sais plus quoi. Les entraînements, ces exos là, ça comptait dans le score. Et maintenant ça donne juste des XP. Et du coup, j'ai fait un drop de 5 centièmes à 5 millièmes en une journée, le jour où ils ont fait l'update, et du coup, j'ai un peu abandonné ce site à la con. Mais le vrai site, c'est celui-ci. Le code Forces. Voilà. Si vous voulez, il y a un round dans 3 jours. Je pense que je le ferai. Vu que je suis en vacances. Alors, ah, tu connais quelqu'un qui a fait un super puzzle? Bah, vas-y, balance, c'est tellement du truc. Alors, optimisation. Pourquoi optimisation? C'est un. Ah, je vais apprendre l'optimisation. Ok, bah vas-y, fais péter. On a combien? On a N ami. Ah ouais, N ami. Bah, je pense que ça va être un truc où on va juste trier. Il va y avoir un tri un peu malin à faire, et puis enfin, ça c'est comme ça que je le vois, et peut-être un truc greedy derrière. Il est pas simple. Attends, et donc moi là. Apparemment, moi j'ai de l'argent à l'illimité. Et donc le coût ça va être C plus P. Ah, c'est peut-être une proc dynamique. Ah ouais, vu qu'on a que 900 amis. Oula, mais qui me met en C++ là? On peut peut-être faire se dire avec. Ah ouais, je pense que ça peut être ça. Ça peut être une multi-programmation dynamique. Où en gros on se dit on a ok on a si on a une place
Qui est-ce qu'on invite? Si on a deux places, qui est-ce qu'on invite? Ouais, c'est même pas une programmation dynamique en fait. Et ensuite, on prend tous ceux qui peuvent se le permettre et qui ont le joy le plus élevé. Et vu qu'on a que 900 amis, la complexité, elle est large. Non, c'est ça. Et c'est quoi? P. Voilà. On est large de chez large. Et donc, du coup. Ouais, on peut le faire en N carré. N carré log N. Donc là, c'est ça, c'est. Enfin. Là, tu vois, je saurais pas vraiment expliquer mon raisonnement. Mais en gros, c'est, tu vois, il y a un pattern un peu où tu vois que il faut essayer. Enfin, attends, est-ce que je l'ai Attends, c'est quoi? C'est. Je crois que c'est eux. Ouais, c'est ça. C'est l'université de Stanford qui a release leur bouquin qu'ils amènent en compète. Attends, est-ce que c'est bien ça? Et je crois que là-dedans, ils ont un truc où ils ont la liste de, en gros, tous les concepts que tu peux utiliser. Merde, c'est pas ça, alors. Attends. Et en gros. Il y a peut-être dans celui de l'INSA. C'est quasi le même. Donc en gros, c'est pendant les rounds internationaux qui sont sur site, on a le droit d'amener. Que, ouais, c'est ça. On a le droit d'amener que genre 24 pages de papier. Bon, on met ce qu'on veut dessus. Voilà, donc ça c'est le notebook que j'avais fait pour les championnats d'Europe 2018. Non, j'y étais pas en 2018. Mais je leur avais régénéré. C'était pour les Europes 2017. Et donc là, bah, tu vois, on s'est fait des structures de données, des algos, des trucs qu'il faut savoir retenir. Enfin, qu'il faut savoir recoder, mais en vrai on a la flemme et donc on le fait. Il y en a KMP genre Knut Maurice Pratt, je sais ce qu'il fait hein, mais je saurais pas le recoder de mémoire quoi. Et là du coup comme ça tu peux les recopier. Et donc on avait ça, je sais pas si on le voit bien. Hop. Et en gros c'est toutes les techniques, plein de techniques algo. Donc là typiquement je me dis ok, peut-être que ça va être une programmation dynamique. Ce truc-là, c'est là que j'étais parti à la base en me disant, bon, ok, là, qu'est-ce que ça fait en gros si on prend un petit problème et qu'on essaye de l'étendre, et donc qu'est-ce qu'on peut en faire? Là, ça te donne des algos qui sont à peu près similaires. Donc, t'as un peu une. Enfin, tu peux un peu réfléchir en arborescence. Hop. Attends, je vais bump mon tweet. Et donc du coup tu peux mais je pense que ça s'apprend aussi par la pratique, en se disant ok, là j'ai un problème qui ressemble un peu, enfin c'est un peu du feeling comment on le fait. Bah là je vais le résoudre du coup, je pense, parce qu'il m'a l'air rigolo, il m'a pas l'air très évident non plus, enfin c'est un médium, mais en vrai celui-là dans un Clash of Code il est sympa, je pense. En un quart d'heure, il y a de quoi se faire plaisir. Alors, NCP, budget et joy. Ok, budget et joy. Ok, hop, friends. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on part. Donc, si on a en gros des slots pour N amis. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, il n'est pas très dur en fait. Mais bon,
Enfin, c'est toujours une fois qu'on a trouvé la solution que qu'on le trouve facile, hein. Pouf. Donc, là on va l'appeler quoi? End slot. Non, c'est quoi? N ami du coup. Donc entre 0 et N ami. As égale 0. Donc le max, enfin le joy de base qu'on a c'est 0, hein, il me semble. Hop, et ensuite, donc là on va faire le coût total. C'est C plus N fois P, c'est ça? Ouais, ok. Je sais pas si c'est N slot ou N slot plus 1 du coup, si je me compte dedans ou pas. Bah, c'est cool parce qu'ils le disent pas. Ouais, c'est pour ça aussi que Coding Game, je suis pas un grand fan. C'est que c'est pas ultra clair. Genre, il y a des moments où. Bon, ça se trouve, là, c'est clarifié, mais. J'ai rencontré pas mal d'exos où pour un peu guess ce qu'il voulait dire derrière, quoi. Ok, et donc là on va regarder pour ce coup-là tous les amis qui peuvent se le permettre en gros. Ok, donc can afford. Alors, hop, donc là on va filter. Friend, 2 points, et donc là c'est friend de 0, donc son budget fois le nombre de gens, donc là c'est du coup n slot plus 1 je suppose, vu que c'est partagé entre eux. Ouais, bon. Si lui il peut, donc s'il paye n fois son budget, est-ce qu'il peut faire ça? Donc ça c'est en gros, est-ce qu'il peut se le permettre vu que il me semble que tout le monde doit payer sa part égale. Et friends. Ok, et ensuite et ben on va trouver les tops de ceux-là, les top joy, donc les n top joy qu'on va faire. Canafor.sort de qui égale lambda x de point x de et là on va les trier par décroissant. Ok. La joie totale, c'est donc la somme de la somme des joys pour tous les friends, pour tous les n premiers friends. Oh putain. Je sens que je suis en train de coder une connerie là, et enfin, je vais pas m'en rendre compte et je vais rien avoir pour debug. Et bah vas-y, on tente ça. Et si ça marche pas. Ok, c'est cool. Function is not iterable. Ah oui, alors ça aussi c'est cool parce que j'ai aucune info. Online 18. C'est pas ça? C'est là le bug. Bon, j'ai été mauvaise langue, il donne des infos de debug en fait. Ah bah oui, mais somme de lambda x, c'est con ça. Ouais, bon, ça aurait pu se faire de manière plus élégante, avec une compréhension. 18, et on me dit que 18, c'est pas bon.
Maximum happiness. Et là, si on met un end slot fois P plus 1 du coup. Parce qu'on considère que chaque personne, y compris moi, on compte. 18, ça marche pas. Budget et joy. Alors, ah oui, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris tout le monde. Ok. Bon, alors. Si le coût total est de 28. Qui peut se le permettre? Keep in mind, alors il a un budget de 9. Alors ça c'est bon parce que 28 divisé par 4 c'est moins que 9. Ça fait 7, lui aussi, lui aussi. Bah, les 3 ils peuvent se le permettre, pourquoi c'est pas? Bon, d'ailleurs, je peux pourquoi je renvoie à 28. Death Joy. Je vais le débugger, non? Hop! Bon, je suis un peu rouillé, ça fait quand même quelques temps que j'ai pas fait de grosses compètes. Bah oui, d'accord, je fais n'importe quoi, moi c'est canaforme. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi. Je comprends toujours pas pourquoi je peux pas inviter ces trois-là. Hein. Je vais avoir un coup quelque part. Parce que le prix c'est 10 plus 5 par personne. Wait. C'est plus P. 10 et 5 par personne. Oui, c'est vrai que c'est bizarre ça. Ok, je vais. C'est parce que le total cost, c'est n slot plus 1 fois p, c'est pas n slot fois p plus 1. Ouais, bah je me suis bien fait arnaquer là. J'ai pas bien réfléchi. Ok, là c'est 7, c'est bon. Pouf! Yes, c'est pas bon. Useless fake friends. C'est pas très gentil ça. Et là, est-ce que j'ai pas des gens? Ok, les attriés. Ça change en rien, ça. Ouais, si, si, si. Et il attendait combien, lui? 156 et moi je lui renvoie 33. Ah bah oui, c'est une problématique. Ah putain, c'est parce que c'est pas N, c'est N slots. Bon, je suis un peu rouillé et je donne pas des bons noms à mes variables. Ok, c'est bon.
Alors, est-ce que c'était si passe? Ok, bon, ça passe. Ok, bon, c'était laborieux, mais. Oh putain! Ah non! Ah non! Ça va pas marcher, ça. Bah non. Alors, je renvoie un résultat qui est trop grand. Ouais, et puis là, ça va être cramé, là, si je fais ça. Ça va me démonter ma sortie. Ouais. Bon. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Le coût total, c'est ça. Ceux qui peuvent se le permettre, c'est ceux qui peuvent payer le voyage. On les trie par Joy Croissant. Ouais, pour les primes de débug. Ouais, mais attends. Parce que du coup, moi je suis nouveau à ça. Et les prints. Moi, je faisais ça avant. Ok, oh putain, faut imprimer ce. Est-ce qu'il faut vraiment faire un import supplémentaire? Bah, c'est vraiment. Bah, j'en ai déjà en même temps. Alors, oui, en même temps, c'était pareil, en putain de. Je bullshit de fou. Que je vais reprendre le e-print, c'est un truc que je faisais ça. Hop. Alors, nous en étions à. Hop. Merde. Oh, je définis mes fonctions en point dans le milieu, moi. On se met bien. Ah ouais, mais ça va pas me plaire, ça. Parce qu'en vrai, on a un bug sur le tout dernier. On a un bug sur le tout dernier. Bon, et Dricolu, tu veux pas nous envoyer. Ah ouais, j'avoue, c'est écrit là. Ouais, je regarde pas aussi. Tu veux pas nous envoyer ton autre puzzle de ton pote là? Parce que là, je commence à me perdre. À perdre espoir. S'il peut endosser prime. Ça m'a l'air bon, ça. Bon, on va relire l'énoncé un peu. C'est lui. Ah, merde. Ah, bah, ça, c'est super, ça. Non, mais il est bien, hein, l'exo, mais. Nagraroc. Insaren. Représente le groupe INSA. Alors, non, ils acceptent pas l'argent et ils doivent payer le même prix. Il est pas là mon bug? Non, hein. Non, si on arrive à le diviser de manière égale. Ça veut dire que lui fois le nombre de personnes peuvent payer le prix. Ouais, non, c'est ça. Hein. Et ensuite, on les trie par ça. Quelle honte. Un puzzle en niveau moyen en plus. Putain, y a un truc de job. Je vais aller me trouver un job, moi. Et
Les meilleurs Joy, c'est qu'elle n'afforde jusqu'à N. Ah putain, je sais. Bien sûr. C'est parce que si j'ai pas N personnes qui sont dispo, on peut pas lancer le voyage. Hop, et ben là on va faire if len de canaform inférieur à n spots. Continue. Voilà. Oh non, non, s'il te plaît. Wesh. Ah oui, c'est parce que j'ai un. Hop. Dans mon e-print. Ok, oh putain, bah ils sont un peu bâtards de le mettre que dans le dernier test case, mais bon, c'est ma faute. Mon truc il print un peu beaucoup là. Ouais, bon, bah voilà, je suis un mongol. Niveau 21, what the fuck, j'ai eu 10 000 succès d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme jobs? Ça déjà. Est-ce que le 45 000 c'est un truc par défaut ou c'est moi qui l'avais mis en mode crobat? Ah, ça va être moi, ça, tous les coups. Oh, je suis deg. Ouais, c'est moi qui l'avais mis. Je pensais que j'allais pouvoir trouver un job comme ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Oh, est-ce qu'on se ferait pas un clash of code avec mes 3 viewers et demi? Si vous êtes chaud, je vous laisse vous connecter. Et puis sinon, bah, je vais juste démonter des gens random dans un clash. Hein. Allez, on prend le suivant. 5 minutes pour se connecter. Hop, et créez-vous un compte hein, sinon sur codinggame.com. Je rejoins un random. Je crois qu'on peut join comme ça. Hein. Débute dans une minute. Putain, c'est pas vite. Yes, tricolu. Je sais pas si on peut voir qui y a dans le chat. Ah, on peut pas voir, sinon je vous aurais dit de venir. Je vous aurais fait une petite dédicace. Ah, et là, on a même un channel et tout. Natchwood. Bon, ok. Ça m'a l'air d'être pas des gens qui sont en train de regarder ce stream. Ah, j'ai encore mon vieux logo InsalGo qui était l'asso qu'on avait créé à l'INSA, l'asso d'Algo. Je devrais changer, je vais mettre H25. Tu pourrais faire de l'espionnage industriel? Bah genre tu peux mater mon code et le soumettre après moi, ouais. Mais de toute façon, moi je m'en fous, si tu triches, tu seras quand même derrière moi, Dracolu. Allez. Kevin Lynn, enfin, ça c'est pareil ça. Bon, les autres, il y a APAC là, APAC, Storm Exploit, il s'est barré. Hein. Je lui fais un stream pour lui et il le regarde même pas. Petite dédicace. Biélorussie, ouh, c'est un smurf de touriste ça. Allez. Mode reverse. Oh non.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Plus, 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 moins, moins, moins. Donc on dirait qu'il y a deux lignes de même longueur. On met un output de longueur. Plus, 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 moins, 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 moins. J'ai l'impression que c'est une connerie là, avec les substitutions. Can you solve it? No, I cannot. Oh putain, attends. Bah non, ce serait pas ça. Ça me faisait penser à du brain fuck, mais. Non, je me disais, si les deux caractères sont différents, on met un plus, et sinon on met. Enfin, genre, si le caractère il est. Mais non, ça n'a pas de sens là. Hop, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça se trouve, il y a des facteurs un peu stylés. Non. Quand on a des nombres et qu'on sait pas quoi en faire. Yes, il n'y a rien du tout là-dedans. Ok, donc les deux, elles doivent être de même longueur. Wow, c'est vraiment de la merde. Si je sais, je l'ai. Bon, je vais le donner. Du coup, je vais devoir le coder plus vite que Dricolu. C'est un mastermind. Les plus, c'est bien placé. Et les moins, c'est mal placé. Ah putain, mais c'est ça. Ok. Bon, bah, c'est parti. Hein. Hop, bon, désolé, hein, j'explique pas trop ce que je suis en train de faire. Hop. Mais bon, en même temps, il y a de l'espionnage industriel dans l'air. Très collu. En gros, là, je vais compter le nombre de caractères qui sont bien placés et voilà, qui sont bons. Ensuite, alors, comment je compte ceux qui sont mal placés? Ok, je sais. Ah, mais non, je suis con. Hop. On va faire un counter de secret. Non, de proposition, allez. Encore un autre truc. On fait, si c'est pas là-dedans, on va le mettre dans un pool.
Et ensuite, on va faire. Et là, on va reparcourir if cmt de secret de i supérieur ou égal à 0. Hop. Et voilà, le truc c'est que ce counter là je le garde parce que si j'ai l'impression que s'il y a si on a un qui apparaît deux fois, ah quoique ça se trouve je me casse la tête pour rien. Si on n'a rien, il faut print un nothing, je crois. Ah bah super ça. Plus moins moins moins. Ah bah oui, parce qu'il faut un petit minus plus égal en fait. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. Qui met trop de plus là, ouais. Alors pourquoi est-ce que les 1 les 2 on a ça. Oh yes. Tricolui qui a pas fait les 100%. Espèce de nouille. Bon, bah ça va, j'ai un peu le time. Pourquoi c'est écrit attente? Et d'autres qui sont en cours de flash. Bon, bah ça va, j'ai le time du coup, vu qu'il peut plus m'espionner. Je vais pouvoir un peu expliquer. 6 minutes qui restent encore. Bon, alors là, du coup, là-dedans, je compte. Donc, ça, le plus et minus, c'est ça là. Donc si j'ai le secret qui est égal à la proposition. Merde. Je suis en train de me rendre compte que je fais un peu n'importe quoi là. Unitaire sur la proposition. Ok, c'est un supérieur strict. Je fais n'importe quoi. Attendu error nothing. Ah ouais, d'accord. Error plus rien en fait. Hop. Alors, Ricolu qui a eu 100% dans les jeux de test. Ah, bah ça c'est con. Vas-y, moi je submit comme ça. Yes, ben voilà. Ouais, il y avait un truc, je pense, que genre si t'as. Hop, oula, regardez pas ça. Bon, bah si vous faites un replay du stream, vous allez voir un test case de la prochaine compète qui arrive bientôt là. Qui est ready. Alors, ouais, je pense que tu vois, si genre ton secret, c'est genre 1, 2, 3, 4. Et que toi tu guesses 2, 0, 2, 2. Et bah le truc qu'il faut print c'est genre juste un seul moins je crois. Vu que t'en as un seul qui match. C'est à ça qui servait mon compteur. Faut pas le mettre trois fois. Sinon ça aurait été un poil plus facile à coder.
Bon. Petite revanche. Allez, on joue. N'hésitez pas à join. Ah, je suis le premier. Ton compteur, eh ben, écoute. Déso, pas déso. Beatwolf, oh non, un Canadien, il va nous démonter. T'es 8 millième, Dricolu, t'es chaud. Hop, on va lui faire un petit peu de pub. Alors, on va faire un peu de stalk aussi. Pas mal. Alors, ah, on peut pas voir les entraînements que t'as fait. Tes succès au moins. Ok, joli. Ah ouais, 2400. 319e sur 1,5 million. Il est chaud. Putain, il y a 1,5 million sur Coding Game. En vrai, moi, quand j'ai découvert ça, on devait être. Je sais pas comment. Je peux le voir en même temps. Je sais plus où en même temps. On était ignoré ce. Au tout début, 200 000. Ah, ça va, hein. Ça va, ça va. Là, il y a eu le fameux jour où ils ont passé les classements. Ils ont enlevé. Oh merde, ça commence. Oh, on est plein. On est plein, plein, plein. Mode plus rapide. Hop, alors ça je pense que je vois l'arnaque venir. Ah non, quoique. Bon, ben ça va. Alors. Hop, on va déjà créer une petite liste. Ensuite, hop, toc, in, S. Hop, j'oublie que je suis en stream, je commente plus rien, ça y est. Hop, et on va print le résultat. Est-ce que ça c'est bon? Oh non! MJ? Pourquoi MJ? Qu'est-ce que j'ai fait? Mrs. Madonna Junior. Ah, parce qu'il y a des virgules aussi. Waouh, vas-y. Strip de virgule. On va gérer les virgules, hein. Ah non. Oh, ça va. J'ai vu quelqu'un soumettre, mais il a fait 0%. Can't assign to function call. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain, non, c'est pas ça. Ah non, Dricolu qui m'a battu. Ouais, je me suis fait bolos là. J'ai pas mis le strip au bon endroit. Bien joué. Bien joué, bien joué.
Bon, je sais pas s'il y a des gens qui nous regardent qui sont dans le clash. Si c'est le cas, on va peut-être attendre un peu. Bon, il n'y a que Louis Gabriel, mais... I guess he's not. Allez, la même, le temps qu'ils en fassent un pire. Viens là, Dricolu. Un partout, là, pour l'instant. Mais bon, je suis sûr que tu copies juste ce que je fais. Et... Hop, on va faire un petit peu de pub. Ben ouais, en même temps, le problème de virgule. Ouais. Je me suis fait arnaquer. Non, mais c'est le temps que ça revienne là. Tu m'as battu, mais tu m'as eu sur un petit moment de faiblesse. Ça ne se reproduira pas. Bon, sinon, on était où? Ah oui, on était en train de te stalker. Et de me stalker. 4 succès légendaires. Je sais pas ce que j'ai fait qui était légendaire. Hein. Et combien on a cet impôt là? Deux succès légendaires. Ah ouais. C'est quoi ça, c'est légendaire? 500 parties de Clash. Il est chaud. Oh, j'en suis pas là, moi. Je crois qu'on peut le voir. Ah, un peu outdated. Allez, c'est parti. Mode plus rapide, trop facile. Donc là, on va créer la grille et ensuite ce que je vais faire des petits bidouillages avec les 7. Donc for call in range de 9. Hop. For n in range de 9 aussi. Hop. Donc là, on va faire sin. On va mettre dans un set tous ceux qu'on a vus. Donc if L. Non, if. Tout ce qui n'est pas un point d'interrogation. On va le mettre dans sin et ensuite on va faire une petite opération un peu dégueu. Je crois qu'on a le droit de faire ça. Yes. Et ensuite, hop. Too easy. Ok, ça va. Je suis de retour. Je suis de retour dans le game. Je suis de retour dans le game. Alors, est-ce qu'on peut voir? Je vais partager mon code. Est-ce que je peux le revoir comme ça? Ouais. Ouais, donc là, ce que j'ai fait, j'ajoute en gros un set, toute la colonne, et ensuite je fais. J'enlève au 7 de tous les digits
ceux que j'ai vus, et donc il en reste 15, ça me crée un set qui a qu'un seul élément. Et ensuite, pour choper un élément, on va dire random d'un set, on fait pop, et du coup, je chope là, vu qu'il n'y en a qu'un seul, j'attrape le dernier élément qui reste, et je l'ajoute à mon résultat. Et voilà. Oh, bah, j'étais suivi de près par Monsieur Fafle, qui travaille chez SNP. Quelle tristesse. Il y a des mouettes ici. Alors qu'on est à Paris. Yes, yes, yes. Bon, je vais vous laisser 3 minutes, je vais me rechercher un petit verre d'eau. Allez, à toutes. On est de retour. Alors, les bains tricolés, on galère. On galère. Alors. Ah oh, putain. Excellent. Oh, mon ordi, il est un peu chaud. Je crois que. Il est pas grand fan d'encoder du flux vidéo en direct. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant que ce pauvre tricolé termine ? Vient de stocker son profil. 500 parties de Clash of Clans. Ah oui, c'était ça que je voulais voir. Je voulais trouver les classements du Clash. Est-ce que ça se trouve ici? Ce site, il a un peu changé. Yes. Classement du Clash of Clans. Est-ce que je suis 125, 199e? Bon, c'est chaud. 288. C'est qui les Prums TDO? Je ne vois pas qui c'est. On va voir qui est-ce que je connais là-dedans. Oh bah ça a bien changé. Hein. Ça a bien changé. Math teacher. Bon, est-ce qu'il y a les INSA? J'en ai pas vu là. Attends, si je fais ça. Installons l'X. Et ben je sais pas qui c'est l'X. Je dis ça va. Ben, je sais pas comment ils fonctionnent ces classements. Hein. Ah, Castor, je vois qui c'est. Il a le même logo que moi. Bon, est-ce qu'on en est de rigoler? Toujours pas. Ça s'est endormi là. Bon, bah, il y a des gens. En même temps, INSA, ça fait un peu. Ça fait un peu 2 ans que j'y suis plus, mais bon, on sait jamais. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Je suis pas très doué, me dit-il. Ah, 100%. Allez, ça repart. Ouh, ouais, dépêche, il y a bientôt plus de place. Au pire, si ça lance et que t'es pas là. Ah, c'est bon.
Ok. Allez, c'est Tipa. Taille de code. Oh, j'adore ça. Alors, bon, pour la taille de code, oh, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais j'aimais bien ça. Ah, je ferais bien un truc avec du start with, mais c'est un peu long à écrire. En même temps. Alors, donc là, on va itérer sur toutes les longueurs possibles. Des fois, on bute sur des problèmes nuls. Ouais, toi-même, tu sais. C'est ce que j'ai fait un peu tout l'après-midi, là. Alors, bon, là, le truc qui est bien, c'est qu'on a le time. On a un petit quart d'heure pour trouver une bonne solution. Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais partir sur ça. Et si j'ai le time, on fera le switch en rubis parce qu'en général, rubis, on a moyen de gratter encore quelques caractères. Et donc, hop, c'était quoi ce bruit? Ah, j'ai eu une alerte, je crois. Où est-ce que je vois mes notifs? C'est là. Peut-être que là, c'est deuxième. Eh ben, pourquoi j'ai autant de notifs? Alors, hop. Reprenons. Alors, le mot, ça, c'est facile. Pour l'instant, on va faire une version un peu extended. Putain, j'ai eu peur, j'en ai vu un qui a validé avec 22 là. Mais non, c'était un 0%. Num répétition. C'est donc du. Ben, je pense qu'on va mettre n égale n de s. N sur s. Non, c'est pas ça, c'est n sur i. Et size égale n modulo i. Ok. Taille de code 6, ah bah c'est bien. On va de plus en plus court.
Ah ouais, il y a un formatting un peu chelou là aussi. Est-ce que je voulais ça? Ouais. Ok. Déjà, on va faire une solution donc un peu pourrave, mais qui aura le mérite de marcher. C'est quoi le mieux pour ça? Non. Oh, j'ai une petite technique. Pas piquer les hannetons. Merde, est-ce que ça va marcher en fait? Ah, c'est dommage. Ça va pas marcher. Sauf si. Ouais, je voulais faire un truc où genre je fais un formateur custom, mais ça va être un peu compliqué. Non, mais sinon on va faire ça classique, hein. Plus fois, plus. Et là, on va faire un petit. Donc là, on va avoir du une répétition. PS Partsign. Et N. Non, c'est pas ça, c'est Partsign. Ouais, c'est pas Partsign. C'est N. If. Partsize. Else. J'ai encore eu 10 000 notifs, désolé. Sinon, on va juste faire une même répétition. Ouais, c'est pas du tout shorten ça. Alors, W, ça c'est the word. Une répétition, ça va être R. Il faut que je mette un break là. Et part size, qu'est-ce que je peux utiliser? T, je peux utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hop, alors ça va dégager direct. Donc là, il faut virer le plus d'espace possible. Hop. Monsieur le codeur professionnel là qui utilise des espaces partout. Alors on est à combien là? 148. Et si je fais ça maintenant? Cent quarante-six, yes. Hop, là je peux tâche deux. Je l'ai même pas testé. Oh non. Oh non, non, non. Là, on peut aller jusqu'à N. Pourquoi W?
Oh non, il va falloir que je rajoute encore un... Bon, allez, ça ira sinon. Ah si, ça s'écroule. Mais oui, mais ça c'est pas bon du coup. Ah bah si. Et pourquoi ça marche pas? Eh bien, il ne le trouve pas. Ok, c'est bon, je vais. Bien sûr, là c'est I, c'est pas M. Alors, je pense que je vais avoir peut-être d'autres bugs. Là déjà on valide tout. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un break sur là? Non, ça je crois que c'est pas très légal. Ah bah si, ça marche. Bon, et bah du coup on va pouvoir faire ça comme ça. 142. Oh merde, il me reste que 2 minutes. Ok. Ah si, là j'avais une petite technique, je pense qu'il peut me faire en gagner. Ouais, 140. En Python 3, oh merde, je suis en train de me faire battre à plate couture. Ah non, c'est pas fou ça. Ah oui, mais en même temps, est-ce qu'il y en a? Non, je peux rien réutiliser là en plus. Ah, je sais pas où il me bat en plus là. Ouais, en même temps, c'est pas ultra opti non plus. Et puis en 45 secondes, je sais pas si je vais trouver grand chose. Il y a peut-être une astuce à faire avec ça. Genre n-r égale n-t. Ça va plus me rajouter de trucs qu'autre chose. Bon, on va se mettre comme ça. Allez, je suis deuxième pour l'instant. Ouais, en même temps. Alors, ça finit dans 5 secondes là.
Bon, ça va. Je sais pas pourquoi il y en a qui font du rab. Ah, c'est juste que c'est pas soumis encore. Non, et eh ben je sais pas. Bon. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, tout ça. Pour que bah, on puisse trouver un peu des trucs sympas à faire la prochaine fois. Ou même envoyez-nous un DM sur H25, sur notre Twitter. Ce que vous voudriez qu'on fasse ou autre. Ah bah si, Dracolu, 100%. 343, c'est pas dingue ça. Et comment je peux partager mon code. Et bah voilà, enfin c'est merci d'être passé, merci de m'avoir regardé. C'est cool, enfin vous avez été un peu de monde, un peu interactif. Merci à Dricolu, mon partenaire de Clash. Et voilà, bah, une prochaine fois. Hop, arrêtez le stream.